Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 26 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le handicap de la Manche, 8e course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 20h15. Pour ce gros handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2, une nouvelle allocation totale de 55 000 euros sera distribuée. Sur le parcours des 3200 mètres de la piste en gazon à main gauche, il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation. Reste maintenant à faire les bons choix. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 2, Aristocrate. Restant sur une belle impression laissée sur l'hippodrome de Vichy dans un quintet plus du même style où il avait démarré un peu tôt, si Christopher Grosbois le lance au moment opportun aujourd'hui, il devrait tout simplement s'imposer. En deuxième choix, le numéro 1, Burning Victory. Cette femelle de 5 ans présentée par le très bon Willie Mullins sera montée par un Franck Blondel avec laquelle il a déjà gagné. Théoriquement, elle ne doit pas sortir des 3 premiers dans ce lot. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Port Deauville. Il ne faut surtout pas le condamner sur ses deux premières tentatives de l'année 2021 car il vaut bien mieux. Avec l'aide de Christiane Demureau ici, il peut mettre tout le monde à la raison. En quatrième position viendra le numéro 7, Let It Storm. Édouard Montfort l'aime bien, le trouve en belle forme et compte sur l'aide d'Eddie Ardoin pour le faire monter sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Boss Quentin. Les chevaux de l'écurie de Stéphane Cirulli sont actuellement en pleine possession de leurs moyens et avec l'aide d'Aurélien Lemaître, il devrait théoriquement confirmer son dernier succès. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Luta. Yoritz Mendizabal sera son partenaire et François Montfort affiche logiquement une bonne confiance avant coup. En avant-dernier choix, le numéro 5, Albiar. Équipé de hier pleine, piloté par Grégory Benoît et présenté par le sympathique Alexandre Fracas, il aura logiquement des partisans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Black Comedy. Il monte certes un petit peu de catégorie ici, mais comme les élèves de Johan Bonnefoy sont en bonne forme, il convient de lui accorder un peu de crédit. En cas de non partant, le numéro 6, Flying Beauty, exceptionnel de régularité depuis le début de l'année, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection indiquent tiercé désordre, quarté désordre de 201€ et quinté désordre de 355€ tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime.